Alors, salut tout le monde. Donc, apparemment, suite à mon démontage, entretien, nettoyage de la tondeuse à cheveux, certains rencontraient des problèmes pour le remontage. Bon, je m'étais dit qu'avec les images du démontage, ça pourrait le faire, mais bon, il n'y a pas de souci, hein, si ça pose vraiment problème, on va regarder et puis c'est tout. Donc, la tondeuse, quand elle n'a pas les lames du ciseau, parce que pour moi, quand deux lames se croisent, ça fait ciseau, hein. Maintenant, c'est pas le terme technique réel, adéquat, mille excuses par avance. Donc, on a le petit curseur là, c'est ça qui est sur le moteur et qui entraîne la partie basse du ciseau, intérieure du moins. Et elle se cale tout simplement comme ça, et sur la rainure blanche. Les deux trucs là, je reclipse dans la rainure là. Donc, tu le poses dessus et le bitonio, hop là, dans l'espace. Voilà. Tout simplement, tu laisses reposer. Et la partie fixe, elle se pose dessus tout simplement, à l'emplacement des vis. Voilà. Et tu revisses et tu fais gaffe que ce soit à droit. Hein, parce qu'il y a un petit peu de jeu, c'est pas impossible que tu le revisses un petit peu de travers comme ça. Donc voilà, la précaution qu'il y a à prendre, c'est de le revisser droit. Et pour revisser un truc droit, ce qu'il faut faire, c'est poser les vis. Tac, ouais, c'est peut-être mon image qui est pas droite depuis tout à l'heure. Poser les vis. Tac, à la main. Ah voilà, j'étais pas dans le truc. Voilà. Tu vérifies. Ah, t'appuies bien en haut pour pas qu'il y ait ça de traviole. Hein, tu vois, il y a un petit jeu, donc t'appuies bien en hauteur, comme ça c'est bien droit ici. Et seulement après, tu resserres. Tac, il sert pas comme un bœuf. Hein. Voilà. Ça, c'est suffisant. Et voilà, voilà. Donc ben voilà, tout simplement. Bon, ben excusez-moi de pas l'avoir mis plus tôt, mais c'est vrai que moi je te dis, hein, je me suis dit avec les images du démontage, suffirait de refaire le reste à l'envers. Mais ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Bon ben voilà. Allez, merci. Ciao, à la prochaine.